Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frères et sœurs. Donc nous en étions à l'histoire de Idris alayhi salam. Néanmoins, avant de commencer, je voudrais faire une petite introduction importante. C'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui porte un bon présage pour nous. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit rapidement de chez lui pour se diriger vers quelques-uns de ses compagnons en leur demandant « Qu'est-ce qui vous réunit ensemble ici ?» Ils lui ont répondu « Nous nous sommes réunis pour évoquer Allah. Vous jurez par Allah que vous êtes réunis pour cela ?» Ils ont répondu par l'affirmative « Nous jurons que rien d'autre ne nous a assemblés ici. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a poursuivi alors en leur disant « Si je vous ai posé cette question, ce n'est pas pour vous accuser, mais c'est parce que j'ai été informé que Allah se vante de vous auprès de ses anges. » Heureux donc celui qui est assis pour Allah Azzawajal, que son nom soit glorifié, parce qu'Allah Azzawajal se vante de lui devant les anges. Il leur dit, regardez mon adorateur, il est assis, fatigué, dans un petit espace pour m'évoquer. Regardez ma Ummah, ils sont là, assis, fatigués. Ils se sont habitués à s'asseoir confortablement chez eux. Ils sont tous là pour moi, pour m'évoquer. Allah Azzawajal se vante d'eux auprès de ses anges. C'est très beau à voir, cela nous rend fiers, heureux et bien sûr joyeux. La dernière fois, nous avions raconté donc l'histoire de Qabil et Habil. Qabil s'était enfui après avoir tué son frère et la corruption a commencé à se propager parmi ses descendants. Nous ne savons pas comment était sa fin, à l'exception d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous avons rapporté la fois passée. Chaque fois que quelqu'un est tué injustement et jusqu'au jour de jugement, une partie de son sang incombera au premier fils d'Adam alayhi salam, c'est-à-dire Qabil. Après la mort de Qabil, Adam alayhi salam a eu un fils qu'il nomma Seth, qui signifie le don de Dieu. Adam alayhi salam lui a appris les sciences terrestres aussi bien que les sciences de l'au-delà. Je voudrais m'arrêter un peu sur ce point. Adam alayhi salam a appris à son fils Seth les sciences terrestres aussi bien que les sciences de l'au-delà. Nous savons évidemment qu'un prophète enseigne naturellement les sciences de l'au-delà, mais qu'en est-il des sciences terrestres? Voilà là la complémentarité. Nous voyons alors que dès le premier jour, Adam alayhi salam, le père des prophètes, est appelé non seulement à enseigner aux gens les sciences de l'au-delà, mais également les sciences terrestres. Ainsi, lorsque les étudiants réussissent dans leur examen, cela fait partie de leur pratique du culte religieux. De même, nos succès au travail font partie de notre adoration d'Allah Azzawajal. C'est ainsi que nous devons comprendre l'islam. Nous ne voulons pas envisager le dévot comme étant un homme qui ne connaît pas le succès dans sa vie d'ici-bas et qui ne comprend rien dans ce monde, qui ne pratique aucun art, qui ne connaît rien en informatique et qui ne pratique aucun sport. Non, ce n'est pas ça l'islam. Adam alayhi salam a enseigné à son fils ces deux genres de sciences. Ce dernier, en les perfectionnant, est devenu prophète après son père. Pour que Allah Azzawajal nous choisisse parmi ses proches, il faut que nous réussissons dans les deux domaines des sciences. Il faut également que nous les perfectionnons. Il faut que la complémentarité existe. Lorsque le monde était encore à ses débuts, Allah Azzawajal a révélé de nombreux livres afin d'organiser la vie des hommes. Au fait, l'homme ne peut mener sa vie sans les législations célestes. Je voudrais ainsi attirer votre attention sur le besoin que nous avons de suivre les ordres et les législations divines. Peu après, Idris alayhi salam fut envoyé comme messager. Il est le premier messager après Adam alayhi salam et Seth. 6 générations se sont écoulées depuis Adam alayhi salam jusqu'à lui. On dit qu'il est né durant la vie d'Adam alayhi salam. Ce dernier a vécu 940 ans. Par contre, je tiens à le signaler, nous n'en avons aucune preuve dans le Qur'an et la Sunna. Mais on dit qu'il a vécu 120 années de la vie d'Adam alayhi salam. Il fut nommé Idris parce qu'il étudiait beaucoup les livres et les sciences de son temps. Allah Azzawajal a envoyé des livres célestes à Adam alayhi salam et à Seth. Le seul livre qui reste parmi tous les livres qu'Allah a envoyés est bien sûr le Qur'an. Il faut donc envisager à quel point il est important. Mais malheureusement, nous l'avons négligé à un tel point que la poussière l'a couvert puisque nous ne le touchons pas pour le lire. On ne l'ouvre que durant le mois de Ramadan, n'est-ce pas? Il faut aussi dire qu'on a également dit que Idris alayhi salam ait été le premier qui ait écrit avec une plume, c'est-à-dire le premier qui a connu l'écriture est un prophète.
D'ailleurs, le mot science, c'est-à-dire ilm, a été mentionné 80 fois dans le Qur'an. Les mots qui en sont dérivés, c'est-à-dire ils savent, tu sais, le savant, etc., ont été mentionnés près d'une centaine de fois. Je voudrais que vous fassiez cette liaison qui est très importante. Il faut que les jeunes aient pour objectif de réussir dans leurs études. Les résultats de chaque année disent que le taux d'échec augmente parmi notre communauté. Et lorsqu'un jeune étudiant se met sur le chemin de la dévotion, ses parents craignent pour lui d'avoir des échecs dans les études. Pourquoi on a cette conception qui est totalement fausse? C'est seulement à cause de nous-mêmes. Nous ne comprenons pas notre religion comme il le faut. Il faut dire, si je deviens dévot, la science est donc devenue très importante pour moi, parce que dans le Qur'an, la science a été mentionnée à plusieurs reprises. L'islam a besoin de personnes pleines de succès. Il ne faut pas se suffire d'étudier pour réciter tout ce qu'on sait sur la feuille d'examen, et ensuite on oublie tout. Non, il faut étudier parce que tu es musulman, et ta religion exige que tu sois sérieux, et que tu réussisses dans ta vie. Et du moins, en fait, si je devrais ajouter quelque chose à cela, c'est que tu fasses du mieux que tu peux. La cause, maintenant, est que la religion exige que nous apprenions et étudions. Il faut maîtriser les sciences. Allah Azzawajal dit « Et il apprit à Adam tous les noms de toutes choses. » Surat al-Baqarah, verset 31. D'autre part, Idris alayhi salam fut le premier à connaître l'écriture et Muhammad sallallahu alayhi salam, le premier mot de la révélation du Qur'an fut « Iqra ». Vous remarquez, le premier mot adressé à Adam alayhi salam est « Et il a appris à Adam tous les noms de toutes choses ». Et le premier mot révélé au prophète Mohammed s.a.w. c'est « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé ». Ces mots ne sont pas les fruits du hasard. Au contraire, ils ont un sens très important. Remarquez avec moi l'expression coranique qui signifie « les doués d'intelligence » a été répétée 16 fois dans le Qur'an. Les mots dérivés du terme désignant la raison et la réflexion en langage arabe ont été répétés 49 fois. Les termes signifiant « méditer » ont été cités 18 fois. C'est la liberté de penser que le Qur'an nous garantit. Il nous invite à méditer et à réfléchir sur tout ce qui nous entoure. De même, le terme signifiant « la sagesse » est cité 20 fois. La preuve, 8 fois. Le nombre de hadiths dans lesquels le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de rechercher le savoir et d'apprendre les sciences est de 102 hadiths. Mes chers frères et sœurs, pour vous montrer à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'occupait de la science, à la bataille de Bedr, 70 Quraishites ont été capturés, n'est-ce pas? Les compagnons du prophète ainsi que toute Médina souffraient de la famine. Ils auraient pu demander de payer des rançons contre ces captifs. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que la science était plus importante que le besoin de se nourrir. Examinons bien ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait il y a 1400 années. Pour ceux qui prétendent que nous voulons les faire retourner 1400 années en arrière, vers le retard, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en ce moment, avait pour objectif la science avant la nourriture. La rançon que chaque captif devait payer était d'instruire 10 des enfants musulmans. C'est une école. Lorsque ces enfants apprennent à bien écrire, le captif est libéré. Rappelez-vous que le prophète était illettré. Toutefois, il est l'instructeur de l'humanité. Il avait mis une condition pour que le captif soit mieux motivé. Il ne pouvait ni rentrer à la Mecque, ni à Quraysh, que lorsque les enfants pouvaient écrire. Nous avons dans le Qur'an une sourate où Allah Azzawajal jure par l'un des outils de la science qui est la plume. Cette sourate est Al-Qalam, c'est-à-dire la plume. Noun, par la plume et ce qu'ils écrivent. Sourate Al-Qalam, verset 1. C'est un outil qui semble très petit, mais qui est d'une extrême importance. Alors le fait qu'Idris alayhi salam soit le premier qui ait connu l'écriture nous encourage à travailler. Celui qui prépare un diplôme dans un domaine pouvant être utile à sa nation, celui qui prépare son doctorat, qu'ils sachent tous que cela fait partie de leur devoir envers la religion. Et de même pour celui qui introduit la technologie de pointe dans son usine et fait travailler des ouvriers et fait de l'innovation au sein de son entreprise, et celui qui introduit un nouveau produit dans son pays, le jeune étudiant qui fait du progrès pour réussir, tout cela fait partie de nos devoirs envers notre religion. Il ne faut pas séparer entre la religion et la vie. La religion ne s'était jamais limitée à la mosquée. Remarquez le sens dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam se souciait et utilisait. Encore mieux, il a donné une grande importance à l'apprentissage des langues étrangères.
notre religion est pleine de trésors que nous ne connaissons malheureusement pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait appelé Zayd ibn Tharbit, radiallahu anhu, j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ce compagnon. Un jour, il lui avait dit « Zayd, va apprendre la langue hébraïque et ne reviens pas sans l'avoir perfectionnée. » Il dit « Je suis alors parti et je suis resté 18 jours, puis je suis retourné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui ai dit « Ô messager d'Allah, j'ai appris la langue hébraïque. » Il m'a dit « À la perfection ?» J'ai répondu « Oui. » Il m'a dit « Peux-tu correspondre avec eux ?» Je l'ai alors fait. Vous imaginez qu'il a appris la langue hébraïque en 18 jours seulement? Concernant Idris alayhi salam, il n'a été évoqué qu'une seule fois dans le Coran, spécifiquement dans la sourate Maryam, et mentionne Idris dans le livre. C'était un véridique et un prophète, et nous l'élevâmes à un haut rang. Sourate Maryam, versets 56 et 57. Mais quel est ce haut rang auquel il a été élevé? C'est le quatrième ciel? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte, d'après Al-Bukhari et Muslim, le jour où le prophète fut transporté au ciel, il monta au quatrième ciel où il trouva un homme assis et il demanda « Qui est-ce Djibril ?» Il lui répondit « Idris ». Idris dit « Bienvenue au prophète vertueux et aux frères vertueux ». Voyez comment est la relation entre les prophètes. Voyez comment elle est intime. Allah Azza wa Jal dit « Et nous l'élevâmes à un haut rang ». Réfléchissons ensemble sur ce sens. Quel sera notre rang au jour du jugement dernier? Sera-t-il élevé, moyen ou bas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La différence d'un degré à l'autre au paradis est comme celle entre le ciel et la terre. Les habitants du paradis regarderont les habitants des chambres comme l'un de vous regarde une étoile à peine perçue au ciel. Imagine-toi en bas et tu regardes un de tes amis tout en haut. » Le haut niveau ou rang qui est mentionné dans le verset est très beau. Où en sommes-nous? Nous sommes assis ici-bas, l'un à côté de l'autre, mais au paradis, lequel d'entre nous serait dans un rang plus élevé? Je me demande si quelqu'un d'entre nous aurait l'ambition d'atteindre le plus haut rang du paradis, le meilleur de tous les niveaux, ou bien alors vous êtes indifférent à cet égard. C'est du sommet du paradis que sortent toutes les rivières. C'est l'habitation des prophètes, des messagers d'Allah, ainsi que des martyrs. Son plafond est le trône de Allah Azza wa Jal. Quelqu'un parmi vous aurait-il cette ambition de parvenir au sommet du paradis, le plus haut rang, que ceux qui la convoitent entrent en compétition pour l'acquérir? Surat al-Mutaffifin, verset 26. C'est fini avec l'histoire de Idris alayhi salam. Mes chers frères et sœurs, soyez pieux et comprenez votre religion correctement, vous serez le maître du monde. C'est ça l'essentiel. Prenez soin de vous, mes frères et sœurs, et à très prochainement. Inch'Allah.